Attention, il y a du changement. Alors qu'elle s'est récemment reconvertie dans le X, Amandine Pélissard a pris une décision qui devrait lui faciliter le travail. En effet, comme elle l'a annoncé à ses fans le mercredi 8 février 2023 en story Instagram, elle a décidé de changer de nom sur les plateformes privées qui distribuent ses contenus explicites. Mon nom sur Mime a changé. Pour faciliter vos recherches, retrouvez-moi directement à Amandine Pélissard, a-t-elle annoncé. Puis, le jeudi 9, elle s'est expliquée en ces termes sur ce changement de nom. J'ai changé sur conseil des plateformes privées, mon pseudo qui était Amandefan pour Amandine Pélissard parce qu'a priori bon nombre d'entre vous qui me cherchaient ne me trouvaient pas. Pour faciliter les recherches de tout le monde, j'ai mis Amandine Pélissard. Du coup les URL ont changé. Pour rappel, si Esti sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste qu'Amandine Pélissard a officialisé sa reconversion dans le X avec son mari Alexandre. Depuis, elle a d'ailleurs tourné son premier film pornographique avec une ancienne star de la télé-réalité. On a fait notre premier tournage professionnel. Point. Ils nous ont approchés parce qu'on travaille pour une de leurs plateformes privées, qui est l'une des sociétés adjacentes de la maison mère. Ils nous ont demandé si on voulait tourner avec eux. Point. Il n'y a pas de scénario, on est dans le libre arbitre, on fait ce qu'on veut en fait, avait expliqué la mère de 8 enfants. Selon ses dires, le couple qui s'est rencontré par le biais d'une amie a même récemment reçu une proposition pour une coquette somme d'argent. Amandine Pélissard, bientôt le 9e enfant? Amandine Pélissard et son mari Alexandre sont-ils sur le point d'avoir un 9e enfant? Apparemment, non, les choses semblent plus compliquées que prévu. En effet, dans un live Instagram partagé le 29 janvier 2023, le couple a révélé avoir des difficultés à concevoir malgré l'absence de contraception. Bébé 9, il est sur orbite là. On le cherche, il est où? Il s'est perdu. En vrai, ça marche plus. On ne prend même pas de contraception, clairement on va vous dire les choses. Vous savez qu'on ne ment pas nous, mais depuis Octave, ça ne marche plus. Quand ça marche, ça ne tient pas. A expliqué la mère de famille.